quelle vie! M'as-tu fait un rapport bien sincère? Ne déguises-tu rien de ce qu'a dit mon père? Tous mes sens à moi-même en sont encore charmés. Il estime Rodrigue autant que vous l'aimez. Et si je ne m'abuse à lire dans son âme, il vous commandera de répondre à sa flamme. Dis-moi donc, je te prie, une seconde fois ce qui te fait juger qu'il approuve mon choix. Apprends-moi de nouveau quel espoir je dois prendre. Un si charmant discours ne se peut trop entendre. Tu ne peux trop promettre au feu de notre amour la douce liberté de se montrer au jour. Que t'a-t-il répondu sur la secrète brique que font auprès de toi Don Sanche et Don Rodrigue? N'as-tu point trop fait voir quelle inégalité entre ces deux amants me penche d'un côté? Non, j'ai peint votre cœur dans une indifférence qui n'enfle d'aucun d'eux, ni détruit l'espérance. Et sans les voir d'un œil trop sévère ou trop doux, attend l'ordre d'un père à choisir un époux. Ce respect l'a ravi. Sa bouche et son visage m'en ont donné sur leur indigne témoignage. Et puisqu'il vous en faut encore faire un récit, voici d'eux et de vous ce qu'en hâte il m'a dit. Elle est dans le devoir, tous deux sont dignes d'elle. Tous deux formés d'un sang noble, vaillant, fidèle, jeune, mais qui font lire aisément dans leurs yeux l'éclatante vertu de leurs braves aïeux. Don Rodrigue, surtout, n'a trait en son visage qui d'un homme de cœur ne soit la haute image. Et sort d'une maison si fertile en guerriers qu'ils y prennent naissance au milieu des lauriers. La valeur de son père en son temps, sans pareil, tant qu'a duré sa force, a passé pour merveille. Ses rides sur son front ont gravé ses exploits et nous disent encore ce qu'il fut autrefois. Je me promets du fils ce que j'ai vu du père, et ma fille, en un mot, peut l'aimer et me plaire. Il allait au conseil, dont l'heure qui pressait a tranché ce discours qu'à peine il commençait. Mais à ce peu de mots, je crois que sa pensée entre vos deux amants n'est pas fort balancée. Le roi doit à son fils élire un gouverneur, et c'est lui que regarde un tel degré d'honneur. Ce choix n'est pas douteux, et sa rare vaillance ne permet pas qu'on craigne aucune concurrence. Comme ses hauts exploits le rendent sans égal, dans un espoir si juste, il sera sans rival. Et puisque Don Rodrigue a résolu son père, au sortir du conseil, à proposer l'affaire, je vous laisse à juger s'il prendra bien son temps, et si tous vos désirs seront bientôt contents. Il semble toutefois que mon âme troublée refuse cette joie, et s'en trouve accablée. Un moment dont on sort des visages divers, et dans ce grand bonheur, je crains un grand revers. Vous verrez cette crainte heureusement déçue. Allons, quoi qu'il en soit, en attendre l'issue.